Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo cadeau d'anniversaire. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé après ma wishlist anniversaire et je suis vraiment trop contente de pouvoir vous la faire. J'ai vraiment eu beaucoup de messages me souhaitant un joyeux anniversaire et c'était vraiment super. J'ai reçu pas mal de cadeaux, j'en suis consciente, mais j'ai pas envie de faire le disclaimer habituel parce que je pense que vous l'avez beaucoup entendu et que ça doit pas mal vous le saouler. Bon bref, du coup j'arrête de parler et je vais passer au cadeau. Premièrement déjà, ce ne sont pas vraiment des cadeaux, mais c'est quand même des produits que j'ai reçus via Octo. Du coup j'ai reçu pas mal de petits produits. Premièrement j'ai reçu cette petite palette de chez ELF, donc c'est une palette à sourcils que j'aime trop, que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment. Ça se présente comme ceci, deux poudres, un gel, un crayon, un pinceau, des modèles et une pince à épiler, donc du coup c'est vraiment une palette très complète. ELF c'est pas une marque très chère, donc franchement c'est un bon produit. Ensuite j'ai reçu encore deux autres produits pour les sourcils de chez Sephora cette fois-ci. Ce petit crayon à sourcils, donc c'est la teinte 02 Nutmeg Brown, on adore l'accent. Et donc là vous avez une petite brosse pour brosser, logique. Vous avez l'embout crayon, donc un petit peu clair pour ma carnation, mais franchement j'aime beaucoup. Et j'ai aussi reçu ce petit crayon enluminateur à sourcils. J'ai pris la teinte 02 et franchement c'est la teinte parfaite pour mes sourcils et j'aime beaucoup. Voilà. J'ai aussi reçu un rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est la teinte Somi. C'est les Retro Matte, la nouvelle collection de chez MAC, là les mattes. Moi j'aime beaucoup, c'est la couleur que je porte maintenant. Donc elle est vraiment très violette, très foncée, donc je ne la porte bien évidemment pas tous les jours. Mais c'est une très jolie couleur. J'ai aussi normalement un autre produit, mais que je n'ai pas encore reçu, c'est un peu compliqué, enfin c'est un peu le gros bordel. Un sac qui vient de chez La Redoute, je suis censée le recevoir. Je ne sais pas quand, mais je suis censée le recevoir. C'est un petit sac à main jaune, assez mignon. Donc voilà, je vous mettrai une photo, mais il a l'air plutôt sympathique. Voilà. Donc voilà pour tous les produits Octoly. Je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je vais passer à mes petits cadeaux d'anniversaire. Déjà, de la part de mes amis, j'ai été pas mal gâtée. Voilà, donc je vous remercie si vous regardez cette vidéo. De la part de Naomi, si tu passes par là, merci de m'avoir offert ces petits cadeaux. Elle m'a offert ces deux petites bougies, donc je sais pas d'où elles viennent, mais en tout cas je sais qu'elles sont très belles, voilà. Et franchement pour la décoration c'est vraiment parfait. Elle m'a aussi offert un petit lapin au chocolat parce qu'elle sait que je suis une grosse fan de chocolat. D'ailleurs, petite parenthèse, mon anniversaire c'était le dimanche de Pâques. C'était génial, franchement je me suis bien mis en bide, j'ai adoré, voilà. Bref, du coup elle m'a offert ce petit lapin au chocolat qui est bien défoncé parce que je l'ai entamé, voilà, donc on va passer à autre chose, merci. Ensuite du coup elle m'a aussi offert un rouge à lèvres de chez NYX, c'est le bustier, je vous l'avais mis dans ma wishlist. Elle n'a pas encore reçu, du coup bah, je vous mettrai une photo, mais voilà, merci de m'avoir offert ce petit rouge à lèvres, même si je ne l'ai pas encore, c'est très gentil. Ensuite de la part de ma petite Emma, donc si je passe par là pareil je te fais plein de bisous. Voilà, vous commencez à la connaître, c'est vrai que je parle pas mal d'elle dans mes vidéos. Donc, premièrement, elle m'a offert cette petite bougie qui vient de chez Maison du Monde, qui est genre trop belle. On en parle un peu du packaging s'il vous plaît. Elle m'a offert une palette de chez NYX, c'est la Golden Hour. Donc de base elle voulait m'offrir la NYX Ultimate, mais pareil elle était toujours en rupture de stock, du coup elle a pas pu me l'offrir. Mais je suis tout aussi contente parce que cette palette là est trop belle. Voilà comment elle est trop belle. Je vais terminer par les cadeaux de Margot. Donc pareil, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Du chocolat encore une fois. En plus Milka Oreo, c'est ma passion. Enfin bref, voilà, du coup elle m'a offert cette grosse tablette Milka Oreo que j'ai presque finie. La grosse morphale. Elle m'a offert un petit masque de chez Sephora à la rose. Je l'ai pas encore testé, mais ça ne serait-ce que tarder, voilà. Donc ensuite elle m'a offert une Pop Supergirl, je suis trop contente. D'ailleurs dites-moi si vous voulez une deuxième édition sur les séries, parce que je sais que la première vous avait pas mal plu. Et depuis j'ai découvert d'autres séries assez sympathiques. Pourquoi pas du coup vous refaire une autre édition. Du coup elle m'a offert cette Pop Supergirl, puisque Supergirl fait partie des séries que j'ai découvertes et que j'adore, donc je suis trop contente. Donc voilà pour les cadeaux de mes amis, je suis vraiment super contente, merci à vous trois si vous passez par là, je vous fais plein de gros bisous, vraiment merci beaucoup. Ensuite du coup de la part de mes parents, j'ai reçu quelque chose dont je suis hyper contente et que je voulais depuis je ne sais combien de temps, mes éclairages, je suis trop contente. Là, je suis en train de filmer avec et franchement la luminosité est top, peut-être un peu plus blanche que d'habitude, mais franchement j'aime beaucoup, la qualité est trop bien. Ils les ont achetés sur Amazon si ça vous intéresse, donc voilà, je suis trop contente. Maintenant je pourrais filmer à n'importe quelle heure de la journée et franchement, je suis refaite. De la part de ma mère, j'ai reçu ce petit parfum de chez Zara, donc c'est le jasmine. De base elle l'avait et je trouvais qu'il sentait super bon, du coup elle me l'a racheté en guise de petit cadeau. Tu passes par là maman, gros bisous, je t'aime.
Voilà, j'aime trop. Maintenant, on va passer à mes deux plus gros cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus de la part de ma famille et de moi aussi. J'ai reçu mon MacBook. Je suis trop heureuse. Ça fait pareil depuis je sais pas combien de temps que j'en voulais un. Bien évidemment, on l'a pris d'occasion parce que sinon c'était beaucoup trop cher. Mais même d'occasion, ça reste quand même un gros budget. D'autant plus que quand je l'ai acheté, il y avait Final Cut Pro, la suite Office. Enfin bref, il y avait pas mal de logiciels à installer dedans qui coûtent très cher. Je vais monter mes vidéos avec Final Cut Pro, donc juste laissez-moi le temps de m'habituer parce que c'est pas très simple au premier abord. Et voilà, je suis vraiment super contente. Faut juste que peut-être que je m'achète une coque parce que j'ai vraiment pas envie de le salir. Merci à toute ma famille, c'est un truc de fou, voilà. Donc voilà, et enfin le dernier cadeau le plus beau, je pense, de toute ma vie. Ma chambre, voilà. C'est clairement ma chambre, je peux pas vous dire le prix parce que clairement je ne sais pas combien elle a coûté. Et ça fait 5 ans que j'ai attendu cette chambre et je l'ai enfin. C'est mon plus beau cadeau, c'est le cadeau que je rêvais le plus au monde, voilà. Et je l'ai enfin, je suis trop heureuse. Encore merci à mes parents, merci à ma famille, merci à tout le monde, voilà. C'est... merci, voilà. Bref, du coup, voilà pour mes cadeaux d'anniversaire. J'espère que ça vous aura plu. J'ai aussi reçu de l'argent de la part d'autres membres de ma famille. Merci à eux aussi. Donc bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. À me rejoindre sur les réseaux du genre Insta et Musical.ly. Voilà, je vous attends. N'hésitez pas. C'était quoi cette voix? Bref. Surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Voilà. J'ai été voir et j'ai remarqué que beaucoup de personnes regardaient mes vidéos mais n'étaient pas abonnées. J'ai reçu pas mal de cadeaux, mais voilà, je sais pas, c'est ma famille, c'est mes amis. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.